vous tous là-bas. Regardez le Congo, ce pays de Lumumba. Regardez ce pays. Regardez les droits. Regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent. Regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba. Des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays, ont tué ce pays. Ont tué Lumumba et continuent à tuer le peuple congolais. Vous les regardez, vous êtes des complices. Niveau de moi, complice, vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple congolais. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles, vous avez l'armée. Tu as des menaces ici pour venir m'arrêter. Va arrêter les gens qui tuent des élèves à Beni. Toi, je te dis, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir à cause de toi parce que tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle. C'est ici que tu as le pouvoir. Ici, vraiment, regarde-toi, c'est la honte. Tu es une honte. C'est là où vous amenez ce pays. Je menote, vous menotez ceux qui parlent. Oh, je suis colonel, je suis triste. Colonel, c'est quoi? Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi. L'État, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Parce que vous êtes des crapules. C'est fini? C'est fini. Très bien. Allez, amenez-moi là où vous voulez. Sur les trottoirs. Et imaginez maintenant, nous tous sur les trottoirs, comment, je sais, on va déborder peut-être jusqu'au bout. Vous comprenez comment ça commence. Pourtant, on fait notre manifestation pacifiquement. On ne déborde pas, on n'insulte pas, on ne casse rien. Mais là, vous voyez, il y a les policiers qui sont derrière moi. Donc, ils sont prêts pour nous pousser, pour nous avancer. Bon, on ne veut pas que ça déborde. C'est que je... On connaît les jeux. On ne lâchera pas. On est là jusqu'à 20h. C'est ce qu'on va faire. Non, c'est ce qu'on fait. Écoute, s'il vous plaît. Je sais. C'est ce qu'on va faire. Ouais, ils sont conscients et complices. On avance. Ils attendent que ça. Arrêtez d'abriter ces criminels. Car demain, je vous le conjure encore.
massacre de vos propres enfants. Évitons cela, évitons cela. Ne soyez pas témoins de massacre de vos propres enfants. Croyez-moi, la douleur que ça fait au cœur est insupportable. Croyez-moi. Alors, on avance encore un petit peu, et après on prendra par centimètre, et bientôt on va nous flatter contre les boutiques en face. Même si on casse la vitre, c'est pas grave, la boutique en face va se retourner contre nous. C'est ça, on connaît bien votre système. Alors tous ceux qui sont à la maison, sortez, venez, venez, inondez cette place-là, pour qu'on puisse leur démontrer que nous sommes conscients de la réalité, et que cette réalité-là n'est pas faite de l'autre. Les Rwandais aujourd'hui sont de l'autre côté, sur le trottoir devant leur ambassade, alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas demandé droit de manifestation. L'ambassade est fermée, mais eux, on leur laisse le droit d'être là, devant le trottoir. Et c'est nous qui avons demandé l'autorisation pacifique de manifester, de protester pour une réalité qui est certaine que nous encore devons aujourd'hui être dans notre vie. Les gens de notre Si on est tous là, ils n'ont pas l'emballage de sortir de la mer, là, je vous dis là. Parce qu'ils savent qu'on va faire le mouvement, c'est pour une sécurité. Elle n'a jamais été possible au contraire des hommes. Parce que nous, nous sommes aussi des hommes, et nous devons être respectés. Et nous ne sommes pas respectés. Alors, les policiers, arrêtez de nous toucher. Laissez-nous faire notre manifestation. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons fait œuvre d'aucune violence. Alors ne nous poussez pas. Maintenant, il est en plus, ça fait plein de trottoirs. La France est complice de tout, en tout cas, c'est pas possible. Kagame, assassin, 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 Kagame, 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 Kabila, 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 Kagame, 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 Kagame. Kagame! 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 Kabila! 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 Peuple congolais, peuple africain! Soyez un sage! Ça c'est une provocation pour le congolais! Peuple africain! Laissez au bord! Peuple africain! Ça vient de la plus
face. Et les gens, ils sont... Et ils... Peuple congolais, ils sont là. Nous sommes pour faire une manifestation pacifique. Nous ne sommes pas là pour se battre avec les policiers. Les policiers sont là pour nous protéger. C'est pour cela que je demande au peuple congolais, les sauvages, soyons sages pour manifester jusqu'à la fin de notre manifestation. C'est pour cela que nous demandons aussi aux policiers, nous ne sommes pas là pour vous provoquer, nous sommes là pour manifester pacifiquement, pacifiquement jusqu'à la fin. Oh,
nous mettez sur le trottoir pour une manif qui a été demandée. Honte à la France! 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 Nous allons dire ce que nous sommes venus dire. Nguetta! 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 On hurlera même si on a plus de voix, on continuera à hurler. Et ça, vous ne pourrez pas nous enlever. Nguetta! Nguetta! Parmi vous, le Kimbangu. Voilà. Une chose est sûre et le message que j'aimerais faire passer. Il est de notre devoir, tant que vous êtes à la CASA, ils sont quels chez nous. Et vous êtes étonné de ce qu'ils font. C'est pourquoi j'ai dit ils violent le Mali, cette armée française. Ils violent en Centrafrique. Et vous voulez les respecter. Il faut que le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, de manifester pacifiquement. Nous avons pris la domination
à la préfecture. Et à l'évolution, ils sont pas de MSN, ils sont à 10 cm de la manifestation. Pourquoi? C'est pour nous empêcher. Et je crois, j'ai dit directement aux responsables, les lieutenants qui s'occupent de cette organisation, il a réussi le sable de M. Macron, mais je dis non, pas tout. Si vous n'avez pas l'habitude d'être organisé de manifestation, j'ai dit honte à vous, pour votre honte à la France. Écoutez, peuple africain, on va chanter les rassemblés. Les rassemblés, nous ne Blandine. Madame Blandine. Comme soldats pour libérer la vie. Le président de l'Union africaine. Oh,
parole. Comment voulez-vous que nous manifestons sur le trottoir? Or, on a fait la demande à la préfecture, nous sommes en train de manifester pacifiquement. Mais ils sont en train de chercher des noises pour nous pousser à faire de la violence. Mais peuple congolais, le Rwandais, il ne faut pas dire que les Rwandais sont nos frères. C'est des ennemis. C'est des ennemis. Donc, heureusement, vous avez vu, depuis très tôt matin, il y a les policiers qui sont là pour nous empêcher d'aller même devant l'ambassade. Mais viendra un jour, les policiers ne seront pas là. Donc, chers compatriotes, restons unis. Kanambe Kabila, c'est un étranger. C'est un Rwandais. Moi, je pense que vous suivez mes émissions. Dans mes émissions, je ne parle même pas de Kabila dégage. Je dis que Kabila, c'est un kamikaze, c'est un sanguinaire. S'il ne dégage pas, il doit être tué. Parce qu'il tue, il ne fait que tuer chez nous. Il n'a plus de mandat. Il tue le peuple congolais. Donc, je félicite votre bravoure. On a montré que nous, Congolais, on n'est plus des Congolais d'avant. On ne dort plus. Pour notre pays, on est là et on restera là. La France, c'est la honte. La police française, vous êtes complices. Donc, vous êtes complices de tout ce qui se passe en Afrique. Donc, la honte à la France. Donc, Ingeta, Ingeta. Ingeta, Ingeta.
C'est ça le mot. On va le prendre. Ingueta, la jeunesse. La jeunesse, on parle de ceux qui sont en train de coincer les mamans là. Ils vont leur parler un peu. La France veut être le centre du monde alors qu'elle n'est même pas capable de mettre l'homme au centre du monde. Merci. Vraiment. Mon fils, tourne-toi ici. Il ne faut pas. Il faut regarder l'ambassade. Il faut regarder l'autre côté. Parle. Tu peux roter. C'est pas la rotation, hein. Tu peux parler librement. Oui, donc comme je l'ai dit, la France va être le centre du monde. Mettez déjà l'homme au centre du monde. On s'étonne quand les Français immigrent en Suisse et qu'ils sont rejetés. Mais mettez l'homme au centre du monde. Je ne peux que être du côté des Suisses quand ils vous rejettent. C'est une honte. Je ne peux qu'être de leur côté. Parce que c'est révoltant. Vous êtes tous complices de ce système-là. Dans 20 ans, les Libyens continueront d'immigrer, il y aura de plus en plus de terrorisme et vous n'arriverez pas à gérer comme vous n'arrivez pas à le gérer actuellement. Malheureusement pour vous, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on envoie les policiers au fourneau, on envoie les militaires au fourneau, alors qu'en réalité, ce sont vos dirigeants qui prennent une décision qui vous oblige demain à être insulté, à être tabassé, à être tué, alors qu'en réalité vous n'y êtes pas. On n'a rien contre vous, mais seulement il faut savoir que quand on demande le droit de manifester, restons respectueux les uns envers les autres, que ce soit vous la police, que ce soit nous les manifestants. C'est comme ça que le respect s'installera. Et si au détriment d'utiliser le rapport de force parce que vous avez un pouvoir et que vous voulez abuser de ce pouvoir, c'est comme ça aussi que la jeunesse de demain, puisque nous en tant que même, pour que la jeunesse de demain puisse respecter, puisse vous respecter, et ça vous de montrer d'abord son respect, puisque vous, c'est ça qui doit être respecté. Alors la parole aux mamans. Il y aura de plus en plus d'immigration en France. Les aides seront réduites et les Français devront assumer cette dette-là. Les Français n'ont pas de droit à assumer cette dette-là. Ce n'est pas vous qui paierez la dette, c'est vos enfants. J'appelle le peuple français aussi à se réveiller. Il n'y a pas que les Africains qui doivent se réveiller. Le peuple français doit se réveiller parce que la France est détestée partout à travers le monde. La Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, ce n'est pas pour rien. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, ce n'est pas pour rien. L'Angleterre est en train de quitter l'Union européenne, ce n'est pas pour rien. Vos enfants paieront la dette. C'est une honte, vous êtes tous ou pas. Vous suivez comme des moutons, prenez-vous en main. Je suis aussi déçu des Africains qui ne sont pas descendus pour manifester. Nous ne sommes pas assez nombreux. Avec les Nord-Africains, la police française, n'aurait pas osé mais quand tu donnes les chances de Gaulle, que rien ne fasse pour les Africains qui avaient voté en grand nombre ce Macron, le petit dictateur. Voilà ce qu'il nous faut là. Nous sommes à l'ambassade du Rwanda. Ils sont en train de protéger les criminels. Tout ce qui est bon pour l'Afrique, c'est mauvais pour la France. Et ce qui est bon pour nous, c'est mauvais pour la France. Et les criminels, la France les protège. Ce qui se passe ici doit te revolter, toi qui regardes ce live-là. Ce qui se passe ici, on est en train de nous oppresser par la police. Jusqu'à nous pousser dans un couloir au bord. Ça doit vous revolter, Africains. Vous qui suivez ce direct-là, on est 6 millions d'Africains, plus même, ici en France. Revoltons-nous.
On ne peut pas accepter que ce génocidaire criminel Kagame soit la tête de l'Union africaine. Et il y a des Africains qui sont contents que Kagame construit des écoles chez nous. J'en veux, oui, que le Rwanda se développe. Mais au prix de quoi? Au prix du sang des Congolais. Et le but de Kagame, avec l'Union africaine, c'est la balkanisation de la RDC. C'est ça notre objectif. Ils vont balkaniser l'Est de la RDC, l'annexer au Rwanda. Nous sommes les faits. Ce n'est déjà pas fait. Et personne ne doit accepter ça. Laisse-nous. On doit faire une prochaine marche. Tous les Africains dans la rue. Bon peuple africain, on se bat pour le Congo. On se bat pour le Congo. Association de colère qui vient d'humilier le Congo. Association de colère qui vient d'humilier le Congo. Kagame, Kabila et tous les militaires. Que le commerce soit équitable. Nous voulons que lorsque
Ils ont besoin de notre diamant, du coltan, du pétrole, qu'ils viennent, on va les vendre, il n'y a pas de souci. Mais nous voulons plus que les 100 boules au Congo. Ça suffit et trop c'est trop. Retenez encore une fois, du 16 au 20 avril, tout le monde à l'ombre, tout le monde à l'ombre. Passez le message, passez le message. Voilà, merci. Tenons en force, Afrique en force. Aujourd'hui, on s'est rassemblé ici, Africains de tout bord, de tout pays, pour dénoncer le génocide qui est en train de se produire en République démocratique du Congo. On dénonce aujourd'hui les dictatures des États africains soutenus par le gouvernement français. Oui, nous les dénonçons. Depuis la colonisation, nos pays devaient être libres. L'Afrique devait être libre. L'Afrique regorge de richesses. Mais on est encore autour de la dictature. Nos frères et sœurs sont tués tous les jours, violés. Mais on n'a pas le droit de parler. Et quand on veut se manifester, on nous empêche de manifester. Où est la démocratie? La liberté d'expression. Pourquoi nous interdire de manifester? Nous avons pris une autorisation de manifester qui nous a été accordée. Oui, aujourd'hui, nous dénonçons cette dictature-là. Nous dénonçons cette violence. Nous ne sommes pas là pour la violence, mais pour la paix. Et pour que la paix règne dans nos pays, nous demandons aux États occidentaux de prendre leurs responsabilités, de foutre la paix en Afrique. Aujourd'hui, oui, nous sommes là pour les dénoncer, pour dire non à ces génocides qui sont produits un peu partout, à ces bases militaires qui sont imposées en Afrique, à ces enfants qui sont violés tous les jours, à ces femmes qui n'en peuvent plus, à ces hommes qui disparaissent. Au Congo aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir par la force après la mort de son père, ne veut pas partir. Et le président Paul Kagame le soutient. Oui, il le soutient. On a l'impression que la dictature est devenue la normalité en Afrique. Non, nous disons non. Nous nous levons aujourd'hui pour dire non à ces États sanguinaires qui n'arrête pas de sévir en Afrique. Est-ce qu'on peut accepter ça en France? En France ici, la politique, c'est la démocratie. On sait, on a fait un grand effort. Mais pourquoi la France soutient-elle ces gouvernements? Ces présidents sont inévitables. Je vais l'expliquer. Je vais bien l'expliquer là. Oui, nous souffrons en Afrique. Aujourd'hui, nous continuons à dire non et à dénoncer ces agissements en collaboration avec la France. Non aux agissements génocidaires du président Faure Gnassingbé envers la République démocratique du Congo et envers tous les autres pays africains. Ingeta. 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 Peuple congolais, peuple africain. Nous sommes très mécontents par rapport à la police française. Ouais. Ils sont complices. Ils sont en train de nous empêcher notre liberté d'expression. On ne peut même pas prendre des photos. Il y a des caméramans et des journalistes qui sont là. Ils disent aux journalistes, aux caméramans, de rester sur les trottoirs. Alors que les journalistes, ils ont droit de s'inquiéter pour prendre les images. Mais moi, je me demande. Moi, je crois les responsables et les policiers qui est là en face de moi. Je vous dis, monsieur, vous devez rester au bureau. Votre place est bien là. Je vous l'ai dit, vous devez rester au bureau. Votre place n'est pas dans les manifestations. Ce n'est pas dans ça, ça marche. Comment vous nous privez de prendre les photos? Vous êtes nuls. Ne dites pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous êtes nuls. Zéro. Votre place n'est pas ici. Kagame! 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 Kagame!
combattants. Nous n'allons pas baisser la garde. Parce que on nous enferme sur un trottoir, un bout de trottoir, j'allais dire. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire ce que nous avons à dire. Ça ne va pas nous empêcher. Même si on nous joue dans un trou, on dira ce que nous avons dit. Et c'est parce qu'il est éliminé. Car Kamé est un assassin. Et c'est ça qui est éliminé. La main de la Kamé est un assassin. Et c'est ça qui est éliminé. 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 Mais ça nous faut. Il nous dit de rester là. On peut pas prendre des photos. Personne ne peut. Président Martin Sali, futur président de la République démocratique du Congo. On a comme moi les amis de Wetchi, Ali Miamongala, en plein Paris, 17e arrondissement, de Haute Belgique, justement pour la couvrir manifestation Oyo. Même si ce moyen à la carte n'a pas, qu'est-ce qui se passe exactement? Bengayo, président Sali, Bengayo, Cordon, Bengayo, Nani. Non, tous les noms que vous voulez, mais mon nom c'est Martin Sali. Problème Oyo, ils ont intéressé Bisso Lelo, ils allient République démocratique du Congo. Il y a trop de massacres. Le Congo est meurtri. Le Congo saigne. Le Congo pleure. À cause de qui? Il y a Paul Kagame, les génocidaires criminels, qui avaient d'abord, avant tout, en 2000, et plutôt en 1994, il a fait assassiner et Juvenel Habyarimana du Rwanda et Cyprien de Burundi. Et en 2001, c'est encore Kagame, en complicité de Museveni et Kabila, ils ont assassiné Mousé Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, si nous comptabilisons plus de 12 millions de morts en RDC, c'est à cause de Kagame et Kabila. Les viols utilisés comme des armes de guerre, c'est encore Kagame. Écoutez, peuple congolais, peuple africain, si nous manifestons aujourd'hui, c'est parce que Kagame, les génocidaires, les tyrans, est élu président de l'Union africaine. Comment un génocidaire qui a tué 3 présidents, 3 chefs d'État africains, qui a commis un génocide en RDC et au Rwanda, on peut les mettre et président de l'Union africaine? Ça, c'est se moquer des massacres qui se sont passés. Aujourd'hui, nous sommes debout et déterminés, pas seulement le peuple congolais, mais le peuple d'Afrique. Nous sommes levés comme un seul homme pour dire à Kagame, pour réclamer et exiger la démission de Kagame et demander aussi le départ de Kabila. Il n'y a pas que Paul Kagame. Si aujourd'hui, de l'autre côté, il y a Sassou Nguesso qui persiste, Ali Bongo au Gabon, Yassine Yadema au Togo, Museveni en Ouganda, c'est la conglomérat, la complicité de tous ces gardiens qui travaillent au compte des multinationales et des occidentaux. C'est pour ça, peuple congolais, peuple africain, battons-nous pour notre liberté. La liberté, elle s'arrache, elle ne se donne pas. Ceux qui se sont battus, les Fumukimba ou les Mama Kipavita, les Lumumba, les consorts, ils se sont battus pour notre liberté. Ne baissons pas les bras. Il y a eu trop de massacres. Maintenant, levons-nous. Continuez à nous battre jusqu'à ce qu'on va chasser Kabila en République démocratique du Congo. Et nous aurons gain de cause pour la démission de Kagame, de Paul Kagame. Ingeta. On va faire un effort. On va faire un effort pour Blandine aussi.
excusez-moi, voilà, excusez-moi, je suis avec mon collègue, c'est dans le cadre de l'engrais. Il y a un compatriote qui a posé une question, il s'est demandé. Bon, alors, la petite fille qui a reçu, qui a été assassinée en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il y a à voir avec Kagame? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Ok. Premièrement, vous avez posé une très bonne question. Aujourd'hui, nous savons Kagame, c'est le parrain des Kabila. Si Kabila est en RDC, c'est grâce à Kagame. Et qu'est-ce qu'il fait Kagame? Et plutôt Kagame et Kabila en RDC. C'est les massacres, c'est l'extermination du peuple congolais. Il y a plusieurs façons d'exterminer la population. Il y a les armes, il y a les poisons, il y a l'aspect psychologique. Il y a tout ça qui compte. Si aujourd'hui, on commence à toucher le peuple congolais quand il vient manifester pacifiquement, ou voir le peuple qu'il ne manifestait pas, qu'ils puissent réussir des balles. Non, mais on ne peut pas accepter ça. Le Congo n'est pas un abattoir humain. Le Congo, c'est un État qui doit être respecté. Mais sauf qu'à la tête de notre pays, il y a un tout Rwandais qui s'appelle Hippolyte Kagame Kabila, qui doit être arrêté et puis traduit en justice. On ne peut pas laisser Kabila continuer à massacrer la population congolaise. Jusqu'à quand? Nous avons un vide institutionnel dans notre pays. Pourquoi? Depuis le 19 décembre 2016, il n'y a pas de président en RDC. Toutes les institutions sont tombées. La présidence de la République, les conseils exécutifs, les conseils législatifs, les conseils judiciaires, ça n'existait plus. Le Sénat, le Parlement n'existaient plus. Pourquoi? Parce qu'à la tête de notre pays, il y a un tout Rwandais Kabila qui est le dauphin de Paul Kagame. Il faut de la RDC ce qu'ils veulent. Moi j'ai dit stop au massacre en RDC et la lutte continue jusqu'à la libération totale du Congo. Merci. Maman Blandine, c'est moi très heureusement au Kula Lelo. Vous avez qu'à communiquer, tu as une adresse au début de relais à Awate. Vous avez un drapeau à RDC, un drapeau à Côte d'Ivoire, il y a Gabon, il y a Afrique, Mobimba. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans Sigaon? Alors que le combat, c'est au Zainakat, il y a Congo, RDC, tu as un Rwanda, Nengenin. Je vais parler en français pour que tous ceux qui nous suivent, les Africains qui sont venus aussi nous donner la porte aujourd'hui, puissent entendre ce qu'on a à dire. Nous sommes ici parce que nous sommes pas loin, là, à quelques mètres de l'ambassade du Rwanda, où loge Paul Kagame, toute sa famille, ainsi que son acolyte, qui est soi-disant le président du Congo, Kabila, qui est dans cette maison-là. Donc nous sommes venus pour dire à Kagame, la ficelle que tu tiens de Kabila, qui le maintient en République démocratique du Congo, on vient le couper. Et nous sommes venus couper cette ficelle-là pour que définitivement, que ce soit Kabila, que ce soit Kagame, qu'il n'y ait plus aucun pouvoir en République démocratique du Congo. Et nous sommes venus aussi, deuxièmement, pour dire à l'Union africaine, qui a été bâtie, je le rappelle, avant l'indépendance, par nos pères, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Lumumba, Nyerere, qui ont établi cette Union africaine pour promettre la solidarité et l'amour des peuples africains ensemble, pour que nous formons une force pour protéger notre peuple. Et aujourd'hui, cette Union africaine vient de souiller cette mémoire et de mettre Kagame à la présidence de cette institution. C'est ce que nous sommes venus dire à Kagame de démissionner de cette institution. S'il ne démissionne pas, nous ferons le nécessaire pour lui pourrir son mandat. Nous ferons le nécessaire pour que partout où il se rendra au nom de l'Union africaine, qu'il trouve le peuple africain en masse devant lui pour lui dire de dégager de là où de cette institution. Qu'il ne respecte pas la mémoire de nos pères qui sont battus pour l'indépendance, qui sont battus pour la souveraineté et contre l'impérialisme qui est venu nous dominer aujourd'hui. Alors le peuple africain, le peuple congolais, la guerre se passe en République démocratique du Congo. Mais la lutte se vit ici aussi dans la diaspora. Si nous sommes ici dans la diaspora, c'est pour montrer à tous les Occidentaux qui sont les décideurs du monde, soi-disant, entre guillemets, et qui aussi où leurs ambassades siègent ici, que nous, ici, dans la diaspora, on ne se laisse pas avoir par des beaux immeubles, on ne se laisse pas avoir parce que nous mangeons notre pain, on ne se laisse pas avoir parce qu'on peut s'acheter des vêtements, on ne se laisse pas avoir parce qu'on peut gagner notre 1 euro. C'est pas ça qui va nous faire oublier le million de peuples de nos frères qui sont chez nous en République démocratique du Congo. C'est pas cela qui va nous faire oublier nos frères qui viennent de mourir encore ici, Eric, Rossi, et j'en passe encore d'autres qui sont morts encore, qui sont tombés il y a quelques jours en République démocratique du Congo. Ce n'est pas cela qui nous fera oublier que la République démocratique du Congo a une richesse immense et que cette richesse immense revient
y a de plein droit à tous les Congolais avant de revenir à quelques Rwandais que ce soit, à quelques Français que ce soit, à quelques Américains que ce soit. Il revient d'abord au peuple congolais. Et le peuple congolais doit se battre jusqu'au bout pour reprendre cette richesse. Voilà pourquoi nous sommes là. Vous voyez, la police, nous étions en plein milieu de la chaussée avec la complicité du peuple de la France. On nous a repoussés dos contre mur pour pas que nous puissions effectivement passer un message correctement contre l'ambassade du Rwanda. Cela veut dire tout simplement que même si nous étions deux, ils auront procédé de la même façon. Pourquoi? Parce que notre présence devant cette ambassade dérange énormément. Notre message face à contre Kagame dérange énormément les institutions françaises. Même s'ils nous ont donné une autorisation, mais au préalable, ils se sont assurés à ce que nous soyons dos contre mur pour pas que nous puissions avoir l'espace suffisant pour nous étaler et passer notre message. Mais cela ne nous fera pas taire pour autant. Nous sommes là jusqu'à 19h. Ceux qui sont encore à la maison, venez, venez, c'est ici que ça se passe. C'est ici, rue Jadin, métro Monceau, métro Malesherbes, que vous devez être pour dénoncer ce que Kagame et ce que Kabila fait chez nous en République démocratique. J'ai encore une question, Madame Blandine Diafitoa. Vous êtes la secrétaire générale du RCK, qui est le mouvement le plus stable qu'on a connu en diaspora. Alors, deux questions à vous poser, madame. C'est par rapport aux événements qui se passent en République démocratique du Congo. On se rend compte que l'idéologie que le RCK a imprégnée, a imprimée dans le cœur, commence à prendre corps. Parce que pas plus tard que le dimanche dernier, c'était le nom de Rossi qui est tombé. Il y a pas mal de combattants qui sont tombés. Quel est le message que vous pouvez passer à l'adresse de nos frères et sœurs qui combattent déjà en République démocratique du Congo? Et ma dernière question avant de prendre, mon confrère ici présent, j'ai vu, je crois avant-hier, il y a eu une conférence de presse organisée par la PARECO. On a vu M. Honoré Mandanza Moko effectivement reprendre les slogans, reprendre ainsi la vision, l'idéologie des RCK qui est le soulèvement populaire. Alors qu'auparavant, il nous parlait de la guerre, de la lutte armée. Quelle est votre opinion, quelle est votre appréhension par rapport à ces deux questions, madame? Merci pour cette question. Effectivement, le RCK, depuis sa création, a toujours prôné le pouvoir du peuple à soulever le soulèvement populaire. Puisque nous nous basons sur notre constitution qui nous donne un article fondamental, qui est l'article 5 de cette constitution, qui donne le droit, le plein droit et le plein pouvoir au peuple de pouvoir prendre toute sa légitimité pour mettre en place le dirigeant qu'il aura choisi. Et c'est par cela que nous demandons au peuple congolais de se soulever. Et nous encourageons tous les combattants congolais dans les quatre coins de la République démocratique du Congo qui se lèvent à Kinshasa, au Bandaka, à Butembo, à Beni, à Okasai, partout, à Kwikwiti, partout dans la République démocratique du Congo. Continuez. Ce n'est que nous seuls qui pourrons libérer notre peuple. Aucun politicien, aucun opposant sur place sur la République démocratique du Congo n'œuvre pour le peuple congolais. Ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, nous le disons, nous l'avons dit il y a quelques années, mais vous ne nous entendiez pas. Maintenant, vous avez les oreilles pour nous entendre. Et je le répète, c'en est tout. Aucun opposant en République démocratique du Congo est capable de sauver le peuple congolais. Ce n'est lui-même. Aucun opposant aujourd'hui en République démocratique du Congo ne peut vous donner de mots d'ordre si ce n'est l'ordre de votre faim, si c'est l'ordre de votre douleur. Alors, combattants, continuez à combattre. Nous, ici, au niveau de la diaspora, nous encourageons tous ceux qui viennent derrière nous. On a dit à la PARECO il y a quelques années, encore il y a quelques mois, à Honoré Mandanza précisément, de venir rejoindre la résistance en étant derrière le RCK. Tout simplement parce que l'idéologie du soulèvement populaire, c'est cela que nous avons mis en place dès le départ, parce qu'on avait compris quelle était la problématique, quelle était la solution pour que le peuple congolais puisse se lever. Tous ceux qui prendront cette initiative viendront derrière le RCK. Le RCK n'a aucun problème à accueillir le peuple congolais qui va dans sa direction et dans son idéologie. Donc je remercie tous les peuples congolais qui nous suivent aujourd'hui. Sachez que nous continuons notre route. Aujourd'hui, le Rwanda a été à une étape. Nous avons d'autres étapes encore plus coriaces. Beaucoup nous demandent pourquoi en 2011 on faisait des choses extraordinaires. Voilà, je n'en dis pas plus. Sachez que l'autre étape est arrivée. Voilà, Maman Blani, je vais compléter juste la question de mon confrère. Je répète, vous êtes des Congolais de souche, vous venez manifester à l'ambassade du Rwanda. Alors quand on regarde sur le plan social, on voit la stabilité sociale au Rwanda, mais quand on retourne en République démocratique du Congo, on remarquera que même la personne qui a tué Rossi, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Quelle synthèse vous pouvez faire sur ce point? Sur ce point-là, ce que j'ai à dire, c'est tout simplement l'infiltration.
suffisamment parlé de cette infiltration rwandaise qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas venue avec Kabila, qui n'est pas venue avec Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas venue avec Mobutu non plus, qui est venue bien avant avec la colonisation. Cette colonisation, puisqu'il y avait déjà un plan machiavélique contre le Congo, celui de le balkaniser et de piller ses richesses. Et pour cela, ils avaient besoin d'un peuple qui était un peuple coriace comme le Rwandais, un peuple qui était un peuple avide de sentiments comme le Rwandais, un peuple qui était un peuple sanguinaire comme le Rwandais. Et c'est pour cela qu'on a utilisé aujourd'hui le Rwanda pour venir balkaniser le Congo. Le Rwanda se développe, oui, certainement, mais avec la richesse du Congo. Et cette richesse-là nous reviendra. Tout ce développement, nous le laissons se développer. Demain, ce développement-là retournera en République démocratique du Congo. Puisque si les Rwandais ne le savaient pas, encore dans les années 30-40, le Rwanda était une province de la République démocratique du Congo. Le Burundi était une province de la République démocratique du Congo. Alors, quand nous reprendrons notre pouvoir, ces pays-là redeviendront des provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, Mme Blanche. Merci beaucoup. Madame Mbeko, il a entendu une voix, il n'a pas entendu. Le petit Hugo a le droit au yaourt. Même sous la pluie, nous sommes là. Le petit, là, il n'a pas droit au yaourt. Il n'a pas droit au goûter. C'est le petit du pont. Le petit Eric a droit à être goûté. Sans goûter. Et nos enfants? La police en fait pas. Droit de l'homme en cul. La police en fait pas. Oui, ma soeur, faut le dire. Notre corps n'a plus de secret. Pour les rebelles de la police. Rwanda, il n'y a que des Rwandais. Au Rwanda, quand même, sur le plan social, il y a la stabilité, il y a les mêmes choses sur le plan social. Mais contrairement à ce qui est tué aussi, la police qui tue le Congolais, ce n'est pas les Rwandais, ce sont des Congolais. Quelle synthèse ou paradoxale vous pouvez faire sur ce point? Mais écoutez, tout à l'heure, je crois, je vous ai dit, M. Guillaume Osebo, à la tête de notre pays, il y a un tout petit Rwandais qui s'appelle Kabila. Kabila, son rôle, c'est l'extermination du peuple congolais. Quand vous me parlez de l'émergence, mais le Rwanda est devenu un pays émergent grâce à toutes les richesses qui sont en République démocratique du Congo. C'est avec toutes les richesses que Kabila et Kagame qui sont en train de payer en RDC. Mais oui, si aujourd'hui les peuples rwandais mangent à leur faim, si les peuples rwandais ils sont bien, c'est à cause, c'est grâce à la RDC, c'est grâce à nos richesses. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. On peut beau parler, le peuple congolais exige une seule chose. C'est le départ immédiat de Kabila. Il doit être arrêté mort ou vif. Mort ou vif, Kabila ne doit plus rester en RDC. Le malheur de la RDC, c'est Kabila et Kagame. On peut bien parler de l'économie. On peut parler de la politique, mais le grand problème de la RDC, c'est l'occupation. Donc c'est Kabila. Le reste, il n'y a que ça. Excusez-moi, avec l'accord de mon compatriote, je me permets de vous poser une petite question. Aujourd'hui, on parle de la transition sans Kabila. On parle de la transition qui, on suppose, c'est le colonel Mosengo qui va diriger cette transition. Alors, je veux savoir, vous, étant que leader politique et surtout de cette diaspora, quel est votre point de vue sur ce point? La transition doit être dirigée par un fils ou une fille digne de la République démocratique du Congo. Je ne cite pas les noms. Ça peut être toi, Guillaume Mosengo. Ça peut être Cyprien, je ne sais pas, Ali Mamungala. Ça peut être Martin Sali. Je dis bien. Oui, surtout, vous êtes déjà positionné comme candidat président de la République. Je le réitère. Moi, Martin Sali, après le départ de Kabila, je vais postuler à la magistrature suprême. Et je vais mettre KO tous les occupants ou tous les faux opposants qui ont quitté Kabila pour venir à l'opposition. Je ne cite pas les noms. Parmi Bango, tout, pour dégager Bango. Mais les grands problèmes, on a besoin
d'une, pas alternance, mais on veut une nouvelle alternative en RDC. Mais nous devons appliquer le deux articles, comme je l'ai dit, l'article 63 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution. Mais aujourd'hui, nous voulons une transition sans la Kabylie. Voilà, pas seulement Kabila. Répondez à ma question. Aujourd'hui, on parle de la transition sans Kabila. La transition qui sera dirigée par le cardinal Mossengo. Martin Sali, quelle est votre position? Mais, je vous ai dit, j'ai dit, la transition doit être dirigée par un fils ou une fille digne de la RDC. Je ne peux pas vous citer les noms. Je ne peux pas vous dire c'est telle personne qui va diriger. Et il y a quelques temps, on avait vu un mouvement. Ah, il y a un mouvement, tel politicien qui a quitté RDC, il est plus ici. Tout le monde courait derrière sur tous ces gens-là. Aujourd'hui, c'est bien. Si c'est le cardinal Mossengo, tant mieux. Pourquoi pas? C'est un fils du pays. Si c'est Martin Sali, tant mieux. C'est un fils du pays. L'essentiel à la tête de notre pays, qui est un fils ou une fille digne de la RDC. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'ambiguïté quand vous dites un fils du pays? Parce que le fils du pays, il y en a beaucoup et on le connaît. Comme Elisanga Bodanga, c'est aussi un fils du pays. Comme Martin Fayulu, c'est aussi un fils du pays. C'est pour cela, non, vous pas... étant un leader d'opinion, okay. Vous devez nous donner. Mais non. Faut pas mélanger. Je vous ai toujours dit, les RCK n'est pas derrière un parti politique, ni derrière un individu. Le RCK a un président qui est Martin Sali. Et je vous ai dit, si aujourd'hui, après le départ de Kabila, Martin Sali va postuler à la magistrature suprême. Quand je dis un fils du pays qui va prendre la transition, je ne refuse pas. On ne peut pas refuser tout le monde. Il y aura des compromissions. Mais aujourd'hui, si on dit c'est Mossengo, pourquoi pas? Si on dit c'est Martin Sali, pourquoi pas? Si c'est Martin Fayulu, pourquoi pas? Si c'est Félix Tshisekedi, pourquoi pas? Nous sommes des fils et puis dignes du pays. Si on nous dit aussi si on nous dit F. Bazaïba, et si on nous dit, pourquoi pas Maman Blandine Diafoutoua, la dame des fers, pourquoi pas? Parce que Blandine Diafoutoua, elle a des capacités, elle a des compétences plus que vos politiciens qui sont en RDC. Donc voilà ce que je peux répondre. Président Martin Sali, en collaboration avec mon confrère ici, j'ai posé la question tout à l'heure au nom des amis de Wetchi, Ali Mbongala, à Maman Blandine Diafoutoua, secrétaire générale de RCK. C'est en rapport à la lecture qu'elle fait en rapport avec la conférence de presse que M. Honoré Banda Nzamboko Atumba a tenue dernièrement à Bruxelles. Et ils sont en train maintenant de brandir les slogans du RCK qui est les soulèvements populaires. Alors que nous savons que M. Honoré Banda se trouve beaucoup, plusieurs années en dessous de l'eau. Quelle est votre lecture à ces slogans que prône aujourd'hui la Parico? Bon, ce que je peux dire, premièrement, je n'ai pas suivi la conférence, je n'ai pas vu les images, je n'ai pas suivi. Ça, c'est un. Deuxièmement, les RCK, nous prenons toujours du côté du soulèvement populaire. Mais moi, je vous confirme que la Pareco aujourd'hui prône les soulèvements populaires. Parce que Honoré Banda a dit, la lutte armée ne tiendra pas. Il faut maintenant les soulèvements populaires. Alors que c'est les RCK qui parlent de soulèvements populaires depuis très longtemps. Mais non, mais depuis longtemps, les RCK tient toujours. Nous avons prôné sur le soulèvement populaire en RDC, en application de l'article 64. Normalement, Kabila ne partira ni par les élections, ni par les dialogues, ni par les accords. Il ne partira que par la force, selon l'article 64. Si tout le monde, ou au niveau de la résistance, nous sommes tous, nous prenons les soulèvements populaires, tant bien. Mais c'est à chaque entité, c'est à chaque leader des mouvements et de prendre la décision de dire ce qu'il pense. Et là, je n'ai pas de commentaires à faire dessus. Merci beaucoup, monsieur le président. Que vous ignorez, que vous pensez être bête, que vous
Mes amis, Honoré Nguanda, quel est votre... En fait, je n'ai rien retenu du message d'Honoré Nguanda, c'est que j'ai déjà entendu, c'est que j'ai déjà vu. Donc, ce Nguanda, voilà, est encore dans son bouddhisme. Voilà, il est dans sa bulle, il pense avoir la réalité, il pense avoir la réponse. Mais pourtant, il est déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, il y a une nouvelle force qui émerge, voilà, qui a incarné la vie politique et sociale. Et cette force-là a déjà un agenda qui est taillé. Donc, M. Honoré Nguanda est en jeu. Donc, moi, je pensais, j'avais envie de voir physiquement Honoré Nguanda. Dommage, donc, voilà, on l'a toujours mis en live. Voilà, ça a été. Moi, je n'ai rien retenu d'esprit. Monsieur Claude Pichou, s'il te plaît, parce que, parlant de la même question qui est mon collègue tout à l'heure, M. Honoré Nguanda a dit qu'il n'est plus maintenant sous l'eau. Il dit qu'effectivement, que la lutte armée ne fera pas partie Kagame, Kabila, excusez-moi, il y a qu'elle est sous le format populaire. Alors que nous savons qu'effectivement, c'est vocable du soulèvement populaire, c'est les RCK avec les activistes et les combattants congolais, restants congolais, qui sont en train de les prôner depuis des années. Quelle est votre lecture aujourd'hui? Allez-vous inviter Honoré Nguanda de s'associer au RCK pour pouvoir faire la lutte ensemble? Alors, quelle est votre lecture, s'il vous plaît? Mais en même temps, merci, parce que vous avez donné la réponse. Donc ça montre que c'est un aveu d'échec. Le combat que Honoré Nguanda a commencé, c'est un combat d'une lutte armée. Aujourd'hui, si Honoré Nguanda commence à parler d'une lutte populaire, c'est parce qu'il a failli. Parce que la réalité ou la vérité l'a rattrapé. Alors, ce que je vais inviter à Honoré Nguanda, comme tu l'as dit si bien, de rejoindre les forces combattantes de résistance qui sont réellement sur le terrain. Parce que la première des choses que Nguanda peut faire, c'est qu'il soit physiquement, qu'on puisse le voir déjà en amont, avant que nous puissions discuter avec lui sur les enjeux et sur la faisabilité. Tant qu'il ne se présentera pas physiquement devant le peuple congolais, donc voilà, ça fera qu'il y a du mythisme. Et je pense que c'est déjà entendu. Et M. Honoré Nguanda est hors jeu. Et moi, je salue personnellement le courage du RCK et de d'autres forces du combat qui, déjà depuis des années, ont compris qu'il fallait mettre l'expression populaire au centre de l'action, au centre du combat, pour que nous ayons une véritable solution à nos problèmes et nos préoccupations. Donc voilà, le vrai enjeu, c'est que c'est de mettre le peuple congolais au cœur de l'action et au centre de la dynamique mouvante qui va nous permettre de libérer le Congo. Nous avons compris cela et nous avons toujours interpellé le peuple. Donc le mot du soulèvement populaire est sorti du RCK, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, parce que beaucoup d'autres ont compris aussi. Et lorsque Nguyen a parlé des armes, nous avons dit que c'était plus important, c'est le soulèvement populaire. Donc il a rattrapé, donc la vérité l'a rattrapé. Donc nous allons continuer dans le combat. Il y a déjà une dynamique d'action et nous n'allons pas faire marche en arrière. Donc on va continuer dans cette action-là. Maintenant, on nous parle, excusez-moi, je parle au conditionnel, qu'effectivement aujourd'hui, Kabila serait en passe de rencontrer M. Katumbi pour pouvoir le désigner comme étant son dauphin et pour faire la passe à M. Tshisekedi pour être Premier ministre de la RDC. Quelle est votre lecture pour cela? Oui, c'est des discussions qui ont commencé depuis un certain temps parce que c'était déjà vu à Addis Abeba et récemment, Kagame était aussi au Rwanda la semaine dernière. Donc, ils sont en discussion éventuellement pour qu'il y ait un accord politique
politique entre les deux hommes là. Donc tout le monde doit savoir que Kabila et Kagame ont, pardon, et Katumbi ont un seul maître, qui est Paul Kagame. Donc voilà, donc il y a eu un moment, voilà, c'est les enfants d'une même famille ne se mettaient pas d'accord sur le partage du gâteau et ça crée ce que ça avait créé. Donc, ils ont un seul père qui est Paul Kagame. Donc moi c'est pas un étonnant de voir aujourd'hui Kabila et Katumbi se retrouvent sur une même table pour discuter. Donc ils sont les enfants de Kagame, c'est le fruit de Kagame, donc c'est pas étonnant de les voir les deux ensemble. Donc voilà, ça ne nous étonne pas. Mais Félix aussi, nous savons les acquaintances qu'il a avec le Rwanda. Il ne faut pas que les Congolais oublient qu'entre 2003-2004, avant le 1+4, l'UDPS, par l'entremise de Moubaké, avait été logé au Rwanda pendant plus de 2 ans. Il y a eu des relations qui étaient tissées entre les deux pays. Ces relations ont permis à ce que l'UDPS et le Rwanda puissent travailler ensemble. Donc, raison pour laquelle aussi, à la rencontre d'Addis Abeba, il y avait aussi Félix Tshisekedi. Le RCD et l'UDPS ont fait des alliances ensemble. Donc, les acquaintances de l'UDPS avec le Paul Kagame, ça date depuis lui-même le père Tshisekedi, mais aussi. Voilà ce qui justifie les rapprochements que Félix a avec Katumbi. Parce que Katumbi, comme Félix, ont des liens directs avec Paul Kagame. Donc c'est la continuité d'une dynamique politique qui est déjà entreprise, qui a été entreprise depuis bien longtemps. Et donc nous suivons de près ce qui se passe. Et nous pensons que nous allons mettre hors d'état de nuire toute action qui viendra du Rwanda ou toute personne qui peut s'allier avec les Rwandais ou avec Kabila. Donc voilà. Merci beaucoup, Cordon. Le président Macron, le président de la République, le peuple français est tout droit à qui nous allons se chercher là-bas. Et le plus important, c'est que si nous sommes ici en France, c'est pas parce que nous sommes tous les pays qui ont été en fait des emmerdeurs de français. Et nous sommes là parce que manque de ce qui se passe en Afrique. Et les dirigeants qu'on se fait. Ah, le peuple est fait comme toujours. Et ces gens, les dirigeants, qui tirent encore la population, qui se disent sans population. Est-ce que vous pouvez prendre le papa de son fils? Le vrai papa peut tuer son fils, je ne crois pas. Mais ce qui se passe actuellement au Congo et partout dans l'Afrique, c'est vraiment horrible, c'est vraiment inévitable. Et moi, vraiment, j'ai la haine avec le peuple rwandais. Moi, je joue. Vous, le Congolais, vous êtes vraiment un animal. On va vous tuer, le peuple rwandais. Vous ne pouvez pas les enterrer, on va les manger. Parce que tout ce qu'ils ont fait pendant des décennies, c'est vraiment horrible. C'est inadmissible. Vraiment, j'en ai marre. Si je ne parle avec les larmes aussi. Il est là. Criminels, je suis
sommes là en faire vis-à-vis de nous, c'est de monter les Africains contre d'autres Africains pour continuer à se retrouver entre nous. Ingeta. Pendant cela, un Africain, ils viennent plus de mettre la première. Ingeta. Comme tu as l'air de ces bandits, en France, il n'y a pas de uranium. En France, il n'y a pas de cuivre. En France, il n'y a pas de diamant. En France, il n'y a pas de cobalt. Mais comment on peut m'expliquer que dans ce pays-là, ils ont quasiment toute la technologie et ils sont pour nous. Parce que ces gens-là vivent au détriment des Africains. J'ai volé. Et si nous-mêmes Africains ne comprenons pas le jeu de ces gens-là, on continuera éternellement à se faire la guerre entre nous. Aujourd'hui, il est impératif aux Africains de s'unir pour combattre leur ennemi. Donc, il est impératif aux Africains de s'unir pour combattre leurs ennemis. On va les combattre. On va les combattre. On va les combattre. Ouattara a été mis au pouvoir alors que tout le monde sait bien que Ouattara ne vient pas d'un coup de pouvoir. On met des étrangers à la tête d'autres États africains pour, que ces gens-là puissent faire plier les pays d'Afrique au détriment des pays occidentaux. Et ça, c'est une vérité qu'on doit faire comprendre aux Africains. Donc aujourd'hui, le combat qui est le nôtre est celui de réveiller la conscience même des Africains pour qu'ils comprennent qui est le sale tout à l'heure. Si aujourd'hui, on a des fils d'Afrique qui risquent de venir en Europe, c'est parce que ces gens-là viennent piller notre continent et tuent l'avenir de toute une jeunesse. C'est la réalité. Donc il faut dénoncer ces gens-là, même les politiques changent, qui travaillent pour un État qui est génocidaire. Parce que pour rappeler que la France elle est un État qui est génocidaire. Nos parents, nos grands-parents ont délivré ce pays. Nos grands-parents ont délivré ce pays. Et quand il s'agissait de venir délivrer la ville de Paris, on a enlevé les uniformes à nos grands-parents pour les mettre à des blancs. Pour les blancs, que ces blancs ont délivré la France. Et la réalité, c'est nos grands-parents. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et ça, il faut la dire. Donc ici, il n'y a aucun policier ici, aucune personne qui a un droit sur moi. Parce que j'ai un droit. Si nous, si nos grands-parents n'auront pas été là, ici, en France, on parlerait allemand. Si nous parlons pas encore français dans le pays, c'est grâce à nos grands-parents. Il n'est pas. Ces gens-là ont un grand respect vis-à-vis de nous. Il n'est pas. Ils nous doivent la liberté. Ils nous doivent un mode de vie. Il n'est pas. Donc, voilà ce que je dois dire. Il n'est pas. Il n'est pas. Génocidaire! Génocidaire!
assassin, génocide. Mais n'oublions pas, en République démocratique du Congo, on a donc parlé que de Kabila, là, mais nous avons d'autres ennemis du Congolais qui sont à l'intérieur de nous et que, pas par hasard, je ne sais pas si c'est un fait exprès ou si c'est un hasard, parce que sachez-le, le Congo que vous connaissez sur la République démocratique du Congo avec un C et le Congo avec un K, comme nous, le Congolais, nous écrivons. Et comme par hasard, on a choisi, je ne sais pas par quel miracle, de prendre des petits venir diriger le Congo avec un nom qui commence par P. Je vais vous les citer. Kabila, Kabubi, Kamere. Ces trois-là sont des petits. Ce ne sont pas des Congolais. On les a pris exprès. On les a choisis depuis bien diriger le Congo. Aujourd'hui, on parle d'une transition sans Kabila. Et qui on veut mettre à tête de cette transition? Kabubi. Dégage, soi-disant paroles, de belles paroles, il les aime bien, il les riche. Que ce soit Tabibou, que ce soit Kabila, que ce soit Kamere, tous ces gens-là ont fait leur richesse sur le sol congolais. Ils n'ont pas fait de façon légale, ils ont volé, ils ont pillé. Kabibou est un des plus, comme on dit, un commercial, des multinationales, pétrolières, occidentales. Kamere n'en fait pas moins. Tous ces gens-là sont venus pour essayer de flouer le peuple congolais, de leur donner des faux messages, de leur pointer du port Kabila parce que celui-là pour la jeunesse, pour que là, ils ont le temps de faire leur mine de tous. Alors ne soyons pas bêtes. Sachez que si demain on propose une transition pour Kabila, ça sera faux. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, dans tous les partis politiques, dans toutes les organisations, on nous parle des élections. On dit au peuple congolais, venez vous enrôler. Alors nous allons aller aux élections. Savez-vous pourquoi Kabila n'a pas été aux élections en 2016? Parce qu'il n'a pas pu changer l'article 220 de la Constitution congolaise. Cet article 220 qui dit que le mandat présidentiel n'est renouvelable qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il a un mandat de 5 ans, donc il pouvait faire que plus 10 ans et pas au-delà de cela. C'est pour ça qu'il n'a pas pu réaliser les élections en 2016. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer la conscience congolaise à faire une élection en disant que nous allons aller aux élections, mais d'abord pour cela, on va changer la loi électorale. Cette loi électorale qui va faire que les Congolais au Congo, qui n'ont pas de carte d'identité, pour la majorité des Congolais en République démocratique du Congo, ils n'ont pas de carte d'identité. Comme pièce d'identité, ils ont une carte électeur complètement contrefaite. Et c'est avec cette carte électeur-là qu'on leur dit qu'ils allaient aller voter. Et quand ils vont aller voter avec leur nouveau système électronique, il n'y aura pas un Congolais qui aura voté pour Kabila ce jour-là au nom de Matumouna, par exemple, ou au nom de Mabou. Il y aura 10 Congolais dans le Mabou qui auront voté. Voilà comment les Congolais vont se mettre piégés avec ce système électoral. Alors j'invite le peuple congolais à se lever contre les élections. Pourquoi contre les élections? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de président à la tête de la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons pas à élire qui que ce soit. Nous avons tout d'abord à chasser celui qui se met sur le pouvoir, pour être Kabila avec ses institutions, et par la suite à refaire une élection de transition et à mettre à la tête celui que le peuple congolais aura choisi. Celui que le peuple congolais aura choisi. Donc peuple congolais, comprenez bien le message. Je sais que vous qui êtes là-bas à Kinshasa, vous qui êtes là-bas à Bandaka, vous qui êtes là-bas à Congo, vous qui êtes là-bas à Kassai, vous n'avez pas toutes ces informations-là. Vous n'avez pas toutes ces informations. C'est pour ça que vous pouvez le faire. N'acceptez pas l'élection. Parce que si vous acceptez l'élection, Kabila trichera. Un dictateur qui met en place une élection, c'est pour la gagner. Aucun dictateur, nous l'avons fait encore très récemment ici à l'État pour eux. Aucun dictateur, qui organise les élections ne le perd. Et la différence, encore une dernière fois, un point encore très important pour le Congolais, c'est que Kabila, avant d'aller aux élections, on ira au référendum. Ce référendum-là nous permettra de demander au peuple congolais s'il veut qu'il renouvelle son mandat ou pas. Et vous savez comment cela va se passer? Il va gagner le référendum et donc après cela, il organisera les élections. Alors rejetons les élections, rejetons de forme le référendum en République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas cela qui fera quitter le Congo du passant de chez nous. C'est cela qu'on
pas à tout cela. Tous les frères qui sont au Congo, malheureusement, souffrent tellement. Ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils pensent, c'est de mettre de l'eau potable dans leur bouche. C'est de trouver un bout de pain. C'est d'attraper un peu de légumes. Ou encore un peu d'haricots. Pour voir si 5, 4, 3, 2, que ces enfants pourront manger ce jour.